Bonjour mes amis, je vais partager avec vous un message tiré de Jean 9, mais je veux d'abord lire quelques versets pour vous donner un aperçu de l'histoire. Jean 9, 1 à 7. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Maître, qui a péché cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle Jésus répondit, Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, Va te laver au bassin de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla donc, se lava, et revint, voyant clair. Quand il est revenu, il avait tellement changé que certains voisins et habitants ne l'ont même pas reconnu. Il disait, il lui ressemble, mais ce n'est pas lui. Il dit, non, c'est moi, c'est moi. Alors les pharisiens et les chefs religieux s'en mêlent et l'interrogent. Eh bien, qu'en dis-tu Comment as-tu recouvré la vue Je ne sais pas, il a mis de la boue sur les yeux et m'a envoyé me laver au bassin de Siloé. Ils ne l'ont pas cru jusqu'à ce qu'il amène ses parents et qu'ils disent, nous savons que c'est notre fils, nous savons qu'il est né aveugle, mais comment il a recouvré la vue, nous ne savons pas, mais il a de l'âge, interrogez-le. L'histoire précise qu'ils ont dit cela car ils avaient peur des Juifs. Il avait été décidé que celui qui appellerait Jésus le Messie serait chassé de la synagogue. C'est pourquoi ils ont dit Demandez-lui. Ils avaient peur d'être, entre guillemets, chassés de l'église. Ils ont donc fait venir le gars et lui ont dit Que dis-tu de cet homme Il répond C'est un prophète. Ils ont encore protesté et se sont disputés avec lui à ce sujet. À un moment, ils ont dit Écoute, rends gloire à Dieu. On sait que Moïse venait de Dieu, mais ce type est un pécheur. Il dit Je ne sais s'il si est pécheur ou non, mais il n'est jamais arrivé dans l'histoire du monde qu'on ouvre les yeux d'un aveugle de naissance. Si Dieu n'était pas avec cet homme, il ne pourrait rien faire. Il a vraiment enseigné la théologie à ces gars. Ils se sont mis en colère et ont dit Tu es né tout entier dans le péché. Ils l'ont littéralement jeté hors de la synagogue ils l'ont chassé. L'histoire continue et Jésus est parti à sa recherche. Il a appris qu'il avait été jeté dehors. Jésus est allé le chercher et s'est révélé à cet ancien aveugle comme étant le Messie. L'homme confesse la Seigneurie du Christ et l'adore. Et Jésus reçoit cette adoration. S'il n'était pas Dieu fait cher, il aurait été mal de sa part de recevoir cette adoration. Mais il l'a reçue. C'est une histoire fascinante à bien des égards. Et bien sûr, cette fameuse phrase où nous trouvons ces mots d'une grâce étonnante. J'étais aveugle et maintenant je vois. Ce sont les paroles de l'aveugle de Jean IX. Alors allons-y, entrons tout de suite dans l'histoire. Je suis sûr que vous en retirerez quelque chose. Bonjour, je suis Bélez Conley. Dieu vous voit, il vous aime, et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses. Bonjour à tous. J'espère que vous vous portez bien. J'aimerais commencer par une prière, comme une prière de déclaration, pour que nous soyons attentifs à la parole de Dieu aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je me laisse facilement distraire. Parfois je tape des mains pendant le culte et je pense à la pêche. Et je dis ⁇ Désolé Seigneur, je suis de retour, je suis de retour ⁇ Je sais que personne d'autre ici ne peut s'identifier à ça. Votre esprit ne s'égare jamais. Je sais que cela peut arriver quand vous écoutez un sermon ou la lecture de la parole. Vous pouvez manquer quelque chose que Dieu veut vraiment chuchoter à votre cœur, et qui est vraiment important pour vous, votre famille ou votre avenir. Alors prions et déclarons que, esprit, âme et corps, nous allons mobiliser toutes nos ressources, nous concentrer, et donner à Dieu toute notre attention. Prions. Père céleste, en tant que ton peuple, nous nous présentons devant toi. Nous te remercions de nous avoir fait passer des ténèbres à la lumière. Nous te remercions de nous avoir fait entrer dans la grande famille de l'Église. Seigneur, nous savons que tu veux que nous grandissions. Nous savons que tu as des instructions pour nous. Nous savons que tu veux nous bénir, nous édifier et, ultimement, nous utiliser pour bénir et édifier d'autres personnes. Nous prenons donc la décision de te donner toute notre attention, d'écouter ta parole, d'écouter le murmure de ton esprit dans nos cœurs. Jésus, par-dessus tout, nous prions pour que tu sois glorifié. Amen. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur Jean 9. Si vous avez une Bible, vous pouvez l'ouvrir à cet endroit. Ce miracle ainsi que les autres miracles que Jean a rapportés ont été choisis par Jean dans un but spécifique. Je veux vous lire la raison de ce choix dans Jean 20, 30 à 31. Il dit, Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean choisit ces miracles et les appelle des signes. Ce sont des miracles qui enseignent une leçon. Ces miracles enseignent le salut. La divinité de Jésus-Christ et le fait qu'il est le Fils de Dieu, c'est l'un des premiers miracles de ce type que Jean a choisi. En étudiant cette histoire, nous voyons qu'il existe trois points de vue différents concernant l'aveugle. Tout d'abord, selon ses voisins, ce n'est qu'un mendiant aveugle, en fait un parasite humain. Un handicap vivant. Il était assis et mendiait. C'est tout ce qu'ils ont vu. A-t-il jamais rêvé A-t-il jamais espéré A-t-il jamais prié A-t-il aspiré à de grandes choses A-t-il jamais pleuré en secret, pas à la connaissance de ses voisins Pour eux, il ne fait que s'asseoir et mendier. Puis il y a le point de vue des disciples, des amis de Jésus. Au verset 2, ils n'ont pas demandé comment il allait être guéri, mais seulement comment il était devenu aveugle. Ils n'ont pas demandé comment il pouvait passer du statut de mendiant à celui de membre actif de la société. Ils n'avaient manifestement aucun espoir pour lui. Pour eux, il servait simplement de point de départ à un débat religieux. Combien de membres de l'Église de nos jours voient les nécessiteux autour d'eux de la même façon? Au lieu de répondre aux besoins, ils en parlent, ils en débattent. Comme les disciples, ils veulent faire une autopsie pour découvrir la cause de la mort sans la moindre pensée pour redonner la vie. Pour les disciples, cet homme n'était qu'un spécimen A. Une pièce à conviction dans leurs discussions théologiques. Et puis, il y a Jésus. En passant, il a vu un homme. Une créature faite à l'image de Dieu, dotée des capacités les plus étonnantes. Quelqu'un qui valait la peine d'aller mourir au calvaire. Jésus a vu un homme. Jésus a vu en lui un potentiel que ses voisins n'ont pas discerné, que ses disciples n'ont pas discerné et que sa propre famille n'a pas discerné. Comment voyons-nous ceux qui nous entourent Les membres de gangs qui traînent au coin d'une rue Le sans-abri qui erre sur la route avec son petit sac en plastique contenant tous ses biens terrestres Ou peut-être blotti dans son lit de carton Comment voyons-nous nos collègues de travail, nos voisins, nos propres enfants Les voyons-nous comme des boulets, des fardeaux dont nous voudrions nous débarrasser Ou bien les voyons-nous comme des créatures de Dieu qui regorgent de potentiel si seulement ils entraient en contact avec le Sauveur Les voyons-nous comme des personnes pour lesquelles Christ est mort, des personnes que Dieu connaît et aime quand Jésus s'est tourné vers Pierre, il lui a dit "Tu es Simon, mais tu seras Pierre. Tu seras un rocher." Il a vu là du potentiel. Je me souviens avoir lu un jour l'histoire d'un artiste. Il marchait dans la rue et il y avait là un type qui mendiait. Il était pratiquement en haillons, ses cheveux étaient emmêlés et en bataille. Il avait une longue barbe qu'il n'avait pas rasée depuis des mois. Il était sale. L'artiste lui a donné un peu d'argent et est parti, cela l'a touché. Il a décidé de faire un portrait de l'homme, de le peindre. Donc il le peint, mais il le peint rasé de près, les cheveux coupés, en costume et avec une mallette. Un peu plus tard, quand il a fini, il revient sur place. Le type est là, il lui dit J'ai quelque chose pour vous. Il lui tend le tableau. Le type dit Qui est-ce Il lui dit C'est l'homme que je vois en vous. L'homme répond, si c'est l'homme que vous voyez en moi, c'est l'homme que je deviendrai. Mes amis, Dieu voit des choses en vous. Il voit du potentiel. Jésus a vu le potentiel de l'aveugle. Qui aurait pensé que cet aveugle avait un avenir Pas ses voisins, pas les disciples de Jésus, pas les pharisiens, pas sa propre famille, mais Jésus l'a vu. Il y a 50 ans, qui aurait pensé que j'avais un avenir J'étais désespérément accro à la drogue. Je touchais aux religions orientales et à la sorcellerie. Pour beaucoup de gens, je n'étais qu'une chose à négliger et à rejeter, mais pas pour Jésus. Jésus a vu un diamant à l'état brut. Jésus a vu du potentiel. Dieu merci. Il voit un avenir pour vous. À présent, apprenons quelques leçons que cette histoire nous enseigne sur la rédemption et sur le Fils de Dieu. Tout d'abord, au verset 1, il est dit que cet homme était aveugle de naissance. C'est une image fidèle de l'homme ou de la femme qui n'est pas sauvée, spirituellement aveugle de naissance. Nous venons au monde avec une nature pécheresse. On peut la retracer au-delà de nous et de nos parents jusqu'à... Adam dans le jardin. Romains 5.12 dit, C'est pourquoi, de même que, par un seul homme, c'est-à-dire Adam, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. De même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Le verset 19 du même chapitre dit, Par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Psaume 51.7. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Mes amis, notre aveuglement spirituel est héréditaire. C'est notre ancêtre Adam qui nous a fait perdre nos yeux. Cela remonte à celui qui a été à la source de la race humaine. C'était notre état et c'est l'état d'innombrables personnes qui ne sont pas encore sauvées spirituellement aveugles aveugles à leur pitoyable condition, sans Dieu, aveugles au fait qu'ils sont sur le point de glisser dans une éternité sans Christ, aveugles à leur besoin d'un sauveur. J'ai repensé hier à un de mes amis, il s'appelait Don. Nous étions meilleurs amis depuis la maternelle et nous nous voyons encore de temps en temps. Je vais chez lui et nous passons un moment à discuter. Nous avions environ 15 ans et je ne sais pas si c'est son père ou le mien qui nous a conduits. Dans les montagnes de San Gabriel, et nous y a déposés. Je pense que c'était pour deux ou peut-être trois jours. Nous avions nos petits sacs à dos et nos canamouches dans la rivière San Gabriel. Nous avons continué à pied, sommes sortis de la route, et avons marché aussi loin que possible jusqu'au bras est de la rivière. On a établi un petit camp, pêché à la mouche et attrapé un tas de truites. On a décidé de partir à la découverte. Imaginez deux jeunes de 15 ans grimpant à travers toutes ces collines ici et là. Tenez-vous bien, nous avons trouvé une vieille mine abandonnée. Nous n'avions pas de lampe de poche, nous avions deux boîtes d'allumettes. On a donc décidé d'aller dans la vieille mine et d'allumer une allumette. On entrait, elle nous éclairait, puis elle s'éteignait. Alors on en allumait une autre et on y retournait jusqu'à ce qu'elle nous brûle les doigts. C'était humide et ça puait. Nous avions brûlé toute une boîte d'allumettes. Au retour, il n'en restait plus qu'une boîte. Don dit, « Je n'irai pas plus loin. » Je dis, « Moi, si. » Il dit, « J'attends. » Il a attendu dans le noir. J'ai craqué une autre allumette. J'ai continué à avancer. Je suis arrivé à un endroit. J'ai craqué une allumette. J'ai regardé. J'étais à environ 15 cm d'un autre boyau qui descendait tout droit. Je suis presque tombé dedans, tout droit, dans les ténèbres. Puis l'allumette s'est éteinte. Je suis dans le noir complet. J'allume une autre allumette, la laisse tomber tout droit. Cette petite allumette est tombée, 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 tombée. tombée et a disparu dans le noir. Je me suis dit, je suis content d'avoir eu une allumette. Je rejoins Donne, on n'a plus d'allumette. On ne peut pas voir la lumière de l'entrée de la mine. Mais on a réussi, nous avons réussi à sortir. J'étais à deux doigts de plonger dans les ténèbres les plus totales. Mes amis, sans la lumière de l'Évangile, les gens vont basculer dans les ténèbres éternelles. Seule la lumière de l'évangile, seul Jésus peut ouvrir les yeux des gens. Jean 3.3 dit, Jésus lui répondit, en vérité, en vérité je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. On ne peut pas voir le royaume si on n'est pas né de nouveau. Cela se passe comment Jésus l'a dit, c'était en rouge sur les écrans. Dans Jean 9, 3 à 4, Jésus a dit, c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse tant qu'il fait jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. Jésus est le seul à pouvoir susciter la nouvelle naissance. Jésus est le seul à pouvoir vraiment changer une vie pour l'éternité. C'est lui qui doit faire son œuvre. Il est la lumière du monde. Il n'y a pas d'autre sauveur ni d'autre Dieu. Seul Jésus peut nous sortir des ténèbres et nous amener à la lumière. Seul Jésus peut nous guérir de notre aveuglement spirituel. Je ne parle pas seulement de tous les gens dans le monde, de ceux qui ne sont pas dans l'Église. Il y a des millions de gens assis dans les Églises aujourd'hui qui sont spirituellement aveugles. Ils essaient de voir en étant religieux, en se donnant bonne conscience, par le biais de rituels religieux et de bonnes œuvres, mais ils ne peuvent pas citer un jour ou une heure de leur vécu où l'Esprit de Dieu leur a ouvert les yeux et leur a révélé qu'ils étaient pécheurs et qu'ils avaient besoin d'être sauvés. Ils ne peuvent pas évoquer un jour où ils sont sortis des ténèbres pour entrer dans la lumière, un jour où ils sont nés d'en haut. Ils peuvent bien être religieux, mais ce n'est pas la même chose qu'être sauvés. Aller à l'église ne fait pas de vous un chrétien. Le baptême d'eau est une bonne chose. C'est un commandement de Jésus, mais cela ne vous sauvera pas. Si vous n'êtes pas sauvé, vous y entrez comme un damné sec et vous en ressortez comme un damné mouillé. Tout ce que le baptême a fait, c'est vous mouiller. Le baptême est censé être l'expression de quelque chose déjà survenu en vous. C'est la proclamation d'une grâce intérieure. Mes yeux ont été ouverts, j'ai trouvé le Sauveur, j'ai une nouvelle vie. C'est alors que cela signifie quelque chose. Je prie que Dieu vous vivifie aujourd'hui, si vous êtes encore dans les ténèbres spirituelles et qu'il vous révèle votre besoin d'un sauveur, parce que si vous ne le connaissez pas, vous irez dans les ténèbres éternelles, sans Dieu et sans espoir. C'est intéressant, Jésus a décrit l'enfer comme les ténèbres du dehors. Ensuite, considérez la méthode utilisée par Christ pour rendre la vue à cet homme. Il a craché sur le sol mélanger sa salive à de la terre et fabriquer de la boue. Il l'a appliqué sur le visage de l'homme. Je veux dire que la plupart des gens sont dégoûtés à cette idée. C'est pareil pour la méthode que Dieu utilise pour sortir les gens de leur aveuglement spirituel. Dieu a choisi la folie de la prédication pour sauver ceux qui croient. Certains pensent, ça va te rendre encore plus aveugle que tu ne l'étais avant. Ce type est déjà aveugle, vous l'avez rendu plus aveugle qu'il n'était avant. C'est ce que certains pensent de l'évangile. Je me souviens du jour où j'ai été sauvé, j'étais tellement changé, je parlais à n'importe qui ou n'importe quoi qui se tenait devant moi. Tout d'abord, je suis allé voir tous mes amis. Je suis revenu en Californie, j'avais un ami très cher qui vivait près de la baie. J'ai fait tout le chemin jusqu'à la baie juste pour lui parler de Jésus. Il n'était pas content. Je me souviens qu'au moment où je partais, il est sorti et m'a crié dessus. Je me souviens encore aujourd'hui de ses paroles. Il m'a dit, Bayless, ce truc chrétien t'a pris la tête et tu ne vois plus rien. En vérité, je voyais pour la première fois de ma vie. Et c'est lui qui était encore aveugle. Jésus nous ouvre les yeux. Puis, quand l'homme est allé au bassin de Siloé et qu'il est revenu voyant, ils ne l'ont presque pas reconnu. Ils ont dit Est-ce lui qui était assis et mendiait Il lui ressemble. Il a dit Non, c'est moi. La même chose est arrivée à certains d'entre vous. Vous avez tellement changé que les gens ne vous ont pas reconnu. C'est ce qui m'est arrivé mes amis ont dit Eh, hey, il ressemble à Bayless, mais il ne sonne pas comme lui il ne parle pas comme lui. C'est arrivé à des membres de votre famille. Vous étiez si différents, si changés qu'ils ont pensé Qu'est-ce qui a bien pu t'arriver Je me souviens que des amis sont venus me visiter. Je vivais à Ashland, dans l'Oregon. C'est intéressant. Hier, mon petit-fils Asher m'a appelé. Il a dit papy, je suis à Lithia Park. C'est à Ashland, dans l'Oregon. C'est le parc où le petit garçon m'a parlé de Jésus il y a des années. J'ai dit, super, Hacher, regarde telle et telle chose. Je lui ai parlé des choses qui s'y trouvaient. J'ai eu des amis qui sont venus me visiter. Je vivais à l'époque dans une petite pièce au-dessus d'un bar. J'étais sauvé depuis environ un mois. Ces deux gars qui sont venus, nous avions eu une longue histoire ensemble. Je ne pourrais pas compter les fois où on s'est défoncés ensemble. C'est tout ce qu'on a fait année après année. Ils sont venus me visiter. J'ai fait du thé pour tout le monde. On est assis, l'un d'eux sort une pipe de sa poche, elle est pleine d'herbe, il l'allume, commence à la fumer et la passe à l'autre. Il veut me la passer, je lui réponds non merci. Je ne peux pas vous décrire leur visage quand j'ai dit non merci. Ils ont dit, qu'est-ce que tu veux dire J'ai dit, les gars, je ne fais plus ça, je me défonce au très haut. Ils m'ont regardé comme si je venais d'être catapulté hors d'un puits. Ils ont secoué la tête et n'en revenaient pas. Ce type, ils l'ont à peine reconnu quand il est revenu. C'est là que cette histoire me frappe, ainsi que le magnifique sang-froid et le calme de Jésus. Revenons un peu au chapitre 8. Cela donne le contexte de l'histoire. Je vais lire Jean 8, 57 à 59. Les Juifs lui dirent, Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus dit, En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple en passant au milieu d'eux. C'est ainsi qu'il s'en alla. Jean 9, 1, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. En passant, il quitte le temple et ces gens s'apprêtent à le lapider après un tel outrage de la part des Juifs. Auriez-vous eu un regard pour un aveugle Jésus semble oublier les Juifs en colère et les pierres. Tout ce qu'il voit, c'est ce pauvre homme et son grand besoin. Cet aveugle n'a pas appelé. Il était assis, seul, dans ses ténèbres. Et Jésus l'a vu. Et à quel moment l'a-t-il vu je sais que certains d'entre vous sont assis ici aujourd'hui et souffrent. Vous m'écoutez, et personne ne connaît la lutte intérieure qui se livre en vous, et la tension intérieure qui déchire votre vie. Lui, il vous voit. Il vous voit dans vos ténèbres, il vous voit dans vos problèmes. Même si personne d'autre ne vous voit, mon ami, Jésus vous voit. Je me demande si, quand nous sommes confrontés à nos propres soucis et persécutions, nous sommes tellement absorbés par nos difficultés personnelles que nous ne voyons pas les personnes désespérées qui nous entourent. Les gens qui sont assis dans le silence et les ténèbres comme cet aveugle. Ou pensons-nous, je n'ai pas le temps pour cela, j'ai mes propres problèmes. Oh, que Dieu nous saisisse et nous ouvre les yeux. Pour que nous voyions les besoins de ceux qui nous entourent, que nous voyions les millions et les millions de personnes assises dans les ténèbres spirituelles, chancelant au bord de l'éternité. Puissions-nous apprendre à lever les yeux et à regarder les champs qui sont mûrs et prêts pour la boisson. Je pense que si vous osiez faire une prière qui dirait Dieu ouvre mes yeux, Montre-moi quelqu'un dans le besoin, quelqu'un que je peux aider en ton nom. Montre-moi quelqu'un à qui apporter la vérité de l'Évangile. Je pense que Dieu répondrait très vite à cette prière. Parce qu'il y a des personnes démunies et perdues tout autour de nous chaque jour. En fait, je veux vous mettre au défi de faire une telle prière. Et je vous le garantis, vous serez au marché ou au bureau, vous serez quelque part et vos yeux vont s'arrêter sur quelqu'un. Tout comme les yeux de Pierre à la belle porte du temple. La Bible dit que ses yeux se sont fixés sur le mendiant. Pierre a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Dieu va utiliser vos yeux, je crois que vos yeux vont s'attacher à quelqu'un. Alors foncez. Ouvrez la bouche et partagez avec eux quelque chose au sujet de Jésus. Regardez et voyez ce que Dieu va faire. Vous êtes épuisé, vous traversez une crise et vous ne savez plus quoi faire Procurez-vous le livret gratuit « Saisissez la force de Dieu » de Bayless Conley. Vous y trouverez quatre étapes qui vous aideront à aller de l'avant avec une force renouvelée. Il vous suffit de vous rendre sur bayless-conley.fr. Vous pourrez y télécharger gratuitement le magazine au format PDF. Vous allez voir, Dieu vous réserve de bonnes choses